récemment plusieurs personnes m'ont posé la même question et m'ont demandé dans quel ordre il était préférable de consulter les films de Cine Code pour avoir une certaine pédagogie facile d'intrusion dans ce système de pensée. j'ai été étonné parce que moi il y a longtemps que je me préoccupe de la logique dans laquelle je dois donner une continuité à ces thèmes. Il est bien évident que d'une certaine manière, tout est su d'avance. On connaît le tout. Mais moi, en tant qu'enseignant, je dois distiller mon savoir progressivement et je dois le faire de manière à ce que ce que je dis le lundi permette le mardi d'expliquer des choses et de les comprendre le mercredi. C'est dans cet esprit, par exemple, que j'ai commencé à parler du logiciel cabalistique. Je l'ai fait, si vous vous rappelez, par rapport aux trois notions de la création, c'est faire, c'est faire, c'est pour. Je n'ai pas précisé très bien les liens parce que c'était trop difficile, mais... Je n'ai développé dans le logiciel que deux aspects de ce rétable à trois faces, l'alphabet et le cerveau. Et je n'ai pas pu expliquer ce qu'était la table des séphirotes, qui est le troisième. Ah, J'y pense depuis longtemps. Il y a des, une série de films pendant lesquels je me dis... Bon, je vais dire ça, ça prépare, et puis tel autre renseignement va aider l'avenir, et ensuite un autre renseignement. Et c'est dans cet esprit que très récemment, après avoir commencé à parler du saut de compétence qui est une obligation pour moi, que j'ai interrompu mon, mon raisonnement pour faire apparaître deux films, Les charmes et les fastes de l'alphabet hébreu, et L'impromptu de Genèse. Pourquoi Parce qu'il fallait que je dose d'une certaine manière pédagogique le, la compréhension de mon public et faire en sorte qu'elle ait une idée de ce qu'est l'alphabet et sa réserve d'intention, sa richesse en idées, sans pouvoir entrer dans le détail. Et d'autre part, la clé de toute compréhension, qui est la création, les actes de la création, et le fait qu'il y ait deux commencements et non pas un seul. Donc j'ai dû faire deux films pour mesurer la dose de renseignements nécessaires à celle qui me serait utile aujourd'hui pour ouvrir le chapitre sur les séphirotes. Eh bien, j'en suis là. Je vais ouvrir la table des séphirotes. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'elle est, à condition que tout mon public ait bien pris note de ce que donnent les deux fils précédents. Donc je repars du fait que pour créer le créateur, Dieu, ou moi je ne dis pas Dieu parce que ce mot est galvaudé, si vous permettez, je dirais l'infini. Alors, l'infini créateur... À utiliser une arme, un outil qui est l'alphabet hébraïque, chargé de toutes ces charmes, fastes, intentions et idées que nous n'épuiserons jamais, mais que la réalité va utiliser chaque fois qu'elle en aura besoin. Et c'est par l'utilité que le réel en fait que nous comprendrons peu à peu à quel point il est vrai que le monde a été créé l'alphabet hébraïque. Alors maintenant, je vais demander à l'alphabet de me reconstituer la situation qui a été le déclencheur de la création. J'ai dit dans un film précédent que c'était la position